Allez les amis, bonjour et bienvenue pour ce vlog du mois de mars, le deuxième de l'année. Alors j'en avais fait un fin janvier, j'en fais un début mars, et je vais essayer de me tenir à les faire à chaque début de mois, si jamais j'ai la possibilité de le faire, et de pouvoir me filmer. Chaque début de mois, je vous ferai donc un petit vlog. Aujourd'hui, on va parler de plein de petites choses, des choses qui me tiennent à cœur. Donc c'est tous les tipeurs. Je vais les remercier, les nommer. Donc ça, ça me tient à cœur de les remercier à chaque fois que je le peux. On va parler des projets de la chaîne, du nombre d'abonnés, de la pub sur YouTube, des nouvelles chaînes françaises. Il y en a pas mal qui se sont montées, donc j'en ai noté trois. Après, il y en a tellement que je vais certainement en oublier, mais j'en ai trois dont je voulais parler. Et puis, dans un premier temps, m'excuser si jamais, parce que je commence à avoir beaucoup, beaucoup de messages, alors que ce soit sur YouTube ou sur le forum French Plastic. Je bois un goût de café pour que ça aille mieux. Voilà, comme ça, je ne vais plus balbutier. Sur le forum French Plastic ou sur les messages YouTube. Je m'excuse si jamais j'oublie de répondre à des messages. Voilà. Comme je commence à en avoir pas mal, quand j'ai créé la chaîne il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis dit à chaque message, je répondrai personnellement. Je m'étais donné ce fil rouge de répondre à tous les messages. Alors, il se peut que j'en oublie, parce que je commence à en avoir beaucoup. Donc, je vous prie de m'excuser si jamais j'ai oublié de répondre à un de vos messages. C'est pas parce que j'ai pas voulu répondre, c'est parce que je l'ai zappé. Notamment des messages qui arrivent sur des vidéos, des anciennes vidéos, et que je ne vois pas dans le listing. Des fois, j'en ai tellement que je vais sauter et que je vais le zapper. Voilà, donc déjà, la première chose, m'excuser auprès de toutes les personnes si jamais j'ai pu oublier des messages. Et puis sur le forum French Plastic, je me suis rendu compte sur le premier vlog, j'avais plein de commentaires, mais j'avais oublié de m'abonner au sujet. Donc j'avais pas été alerté des messages et des commentaires que j'avais eu sur le forum. Voilà. Donc je vais essayer de ne plus oublier de m'abonner au sujet. Voilà, donc ça c'était pour les excuses. Après, au niveau des tipeurs. Donc, je vais les nommer et je vais vous remercier 1000 fois de tout ce que vous faites pour moi. Ça a permis à la chaîne de grandir un tout petit peu et je pense qu'elle va grandir encore un peu plus au fil des mois. Donc, j'ai 9 tipeurs au jour d'aujourd'hui et ça me fait énormément plaisir. Donc, encore une fois, 1000 fois, merci les amis. Donc, ils se reconnaîtront, je vais donner que les prénoms, ils se reconnaîtront. Mais je remercie Pascal, je remercie Didier, Fabrice, Sébastien, il y a Thomas, il y a Ludovic, Pierre, Goethe, alors Goetz, G-O-E-T-H, et puis Sergio. Voilà, donc c'est 9, Pascal, Didier, Fabrice, Sébastien, Thomas, Ludovic, Pierre, Goetz et Sergio. Je vous remercie 1000 fois de vos petits dons qui m'ont permis d'acheter un petit peu de matos. Donc ça commence à prendre tournure. Voilà, encore une fois, mille merci les amis. Alors, il y a autre chose que je voulais parler parce que je vais remercier aussi toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Pourquoi ? Parce que en regardant mes vidéos, vous allez voir déclencher des publicités sur YouTube. Il faut savoir que ces publicités me rémunèrent un tout petit peu. Alors, c'est vraiment un succès parce que il y a des fois je touche 10 centimes pour une pub. Pour vous donner un ordre d'idée, je récolte à peu près environ, de mémoire, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû le noter, vous voyez. Mais
Si je tourne comme c'est ce dernier mois, ça me ferait environ 200 € à l'année. Voilà, donc c'est pas pharaonique, vous voyez, 200 € à l'année, si on ramène ça au mois, ça fait pas énorme. Mais grâce à vous, ça me fait un petit peu de pécule pour acheter du matériel, donc je vous remercie. Donc je remercie les tipeurs mille fois, mais je remercie aussi mille fois toutes les personnes qui regardent les vidéos, parce que ça déclenche la pub et ça déclenche un petit peu de rémunération pour ma chaîne. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, la chaîne, on va venir un petit peu au stats, c'est 1640 abonnés. C'est pas mal, ça prend tournure, on va bientôt arriver aux 2000. Donc ça, c'est top. 85 nouveaux abonnés ce mois-ci, enfin en un mois à peu près. Enfin, j'ai remonté sur 30 jours. Hein. Donc 85 nouveaux abonnés dans les derniers jours. Et puis, on a dépassé, enfin, ma chaîne a dépassé les 190 000 vues. Donc c'est pas mal. Je pense que je peux mieux faire, mais il faut peut-être que j'améliore un petit peu la qualité de mes vidéos, que j'améliore, que je fasse autre chose aussi. Donc ça fait partie des projets de la chaîne. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Au niveau des nouvelles chaînes françaises, voilà. Donc faut leur donner un petit coup de pouce. Donc tous ceux qui regardent mes vidéos, allez voir les vidéos de ces nouvelles chaînes. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Alors je pense notamment à Ludovic qui a monté sa chaîne LD Maquette. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est montée. Mais voilà, donnez-lui un coup de pouce, allez le voir, allez liker ses vidéos, abonnez-vous à sa chaîne. Il y a Passion Maquette aussi. Donc pareil, hein, allez voir sa chaîne et regarder ses vidéos. Il y a aussi Laurent Pérez. Qui a fait. Alors, je ne sais pas si la chaîne c'est Laurent Pérez ou si c'est Maquettiste Addiction. Enfin, peu importe. Allez le voir. Donc, j'en oublie. Hein, j'en ai fait la pub l'autre jour dans une vidéo pour d'autres chaînes. Au fur et à mesure, je vais essayer de toutes les faire. Je vous prie de m'excuser si j'en ai oublié. Mais bon, déjà, j'ai fait ces trois-là. Et allez voir n'importe comment. On est tous un groupe en France à regarder les vidéos. Et je pense qu'on tourne tous sur toutes les mêmes chaînes. Hein. Voilà, donc un petit coup de pouce sur ces chaînes, allez-y et abonnez-vous et likez leurs vidéos. Au niveau des likes, l'autre jour j'ai dit dans une vidéo de liker un maximum, j'ai presque dépassé les 100 likes sur une vidéo, donc c'est la fameuse vidéo de la Stratos. On est à 99 likes, donc. Allez-y, likez un maximum pour pouvoir dépasser cette fameuse barrière des 100. C'est anecdotique, bien sûr, mais voilà, ce serait bien qu'une de mes vidéos dépasse les 100 likes. Ce serait sympa. Ah ben, j'ai plus de café. Voilà, j'ai tout bu. Allez, on va passer au projet de la chaîne. Alors, projet de la chaîne. Déjà, vous avez vu que j'ai donc, grâce. Au tipeur, grâce aux publicités YouTube et grâce à ma fille qui a complété et qui a fait le complément, pu acheter la caméra. Alors, je filme avec mon téléphone là. La caméra, elle est là. Vous voyez? Alors, j'ai pas filmé avec la caméra tout simplement parce qu'elle est toute réglée pour filmer sur le plan de travail. Mais bon, je filme aussi bien avec le téléphone, quoi qu'il arrive. Alors ça va me permettre de, vous avez vu donc sur les dernières vidéos, d'avoir un plan complètement différent. Moi j'arrive à mieux à travailler puisque j'ai rien devant moi et je pense que vous vous y voyez mieux. Donc ça c'est un super plan. Au niveau technique, donc il y a déjà eu de l'amélioration. Donc ça ce sont des meubles achetés personnellement, une amélioration de mon atelier. Pour mon anniversaire, théoriquement, je devrais avoir un petit peu de matériel Obizone. Je crois que on connaissait tous ce système de rangement Obizone, mais je crois que Fabio, il a fini de nous persuader d'en acheter parce que lui, il s'est fait un super truc. Donc, pour mon anniversaire, début avril, je devrais avoir un tout petit peu, pas autant que Fabio, je pense, mais j'aurai déjà pas mal d'accessoires Obizone sur mon établi. Donc je vous montrerai ça en temps et en heure. Et dès que tout sera monté, je vous ferai une petite vidéo sur mon coin maquette que je mettrai sur le forum French Plastique.
pour vous montrer un petit peu les nouveautés de l'atelier. Alors après, donc il y a, bon, moi, personnellement, et puis grâce à Odon et aux publicités, il va falloir que j'achète un aérographe. Celui que j'ai qui coûte 25 euros, bon, vous me direz, il y en a un qui m'a duré 2 ans, hein, donc là c'est un nouveau que j'ai pris, que j'ai acheté en même temps que le compresseur. Mais il va falloir que je m'achète une évolution, ça c'est sûr, parce que on travaille quand même beaucoup mieux avec du bon matos. Donc ça fait partie des projets achat atelier, on va dire. Sinon, donc il y a un diorama qui risque d'arriver. Alors peut-être pas courant mars, mais courant de l'année, ça c'est sûr. Il y aura un diorama de fait. Vous avez vu que je vous avais promis de monter des avions sur la chaîne. C'est chose faite puisque j'ai attaqué le Messerschmitt BF109G6. Donc je vais essayer de me. Vous allez dire, je suis fada, je suis fou à faire 5 kits en même temps. Mais bon, je vais essayer d'avoir un avion, un char, un avion, un blindé plutôt. Et puis 2 voire 3 voitures en permanence sur la chaîne. Voilà. Alors pourquoi je fais plusieurs kits à la fois comme ça? Parce que j'ai horreur de rester à rien faire. Enfin. Je me comprends, j'ai beaucoup d'autres hobbies, j'ai le sport, j'ai ma vie de famille, j'ai pas mal d'occupations, le travail, mais voilà, si je suis arrêté parce que j'ai de la peinture qui sèche sur des pièces, il faut que je fasse une autre maquette, il faut que je travaille ailleurs, il faut que je puisse continuer à faire quelque chose. C'est pour ça que je fais plusieurs kits à la fois, tout simplement. Alors, ça fait pas mal de temps que j'en fais comme ça plusieurs, donc j'ai une organisation qui me permet de le faire. Donc voilà, si j'ai fait un cinquième avec l'avion, donc ça ne pose pas de problème que j'en fasse 4 ou 5, c'est pour moi c'est la même chose. Voilà, donc je vais essayer de faire un avion, un blindé et puis 2-3 voitures. Je resterai quand même principalement sur les voitures puisque c'est ma passion première au niveau des maquettes. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire les blindés et à faire les avions, je prendrai beaucoup de plaisir aussi. Donc on va essayer de faire comme ça. Donc le diorama, ça c'est sûr, il arrivera dans l'année, je ne sais pas quand. Je voudrais aussi donc faire un petit peu plus de tests de matériel. Comme j'ai fait pour l'accessoire Tamiya là. Donc ça, ben, j'attends d'avoir un petit peu plus de fonds pour pouvoir acheter du matériel. Alors matériel. Ou technique, outillage, ou test peinture, test diluant, test, voilà, multitude de choses à tester dans le maquettisme. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc j'aimerais faire plus souvent de tests de matériel. Donc ça va dépendre un petit peu des finances. Donc au fur et à mesure, j'espère pouvoir en faire plus souvent. Après, je me suis posé la question de faire des tutoriels. Alors, j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, que ce que je fais, c'est ma façon à moi de faire. Et ce n'est certainement pas la meilleure des façons. Donc, je continuerai à penser ça. Donc, je me sens mal placé, moi, personnellement, de faire un tutoriel. Parce que je suis sûr que vous qui me regardez, il y en a qui montent les maquettes beaucoup mieux que moi. Donc, je ne vois pas faire un tutoriel pour des gens qui font des maquettes beaucoup plus belles que moi. En plus, on a Closter qui, lui, est un artiste pour faire ses tutoriels. Donc, lui, il en fait. Je pense que ça ferait doublon. Donc, je sais pas. Alors, si, par exemple, comme quand j'ai fait sur les volants avec le flocage avec le talc. Peut-être faire des tutoriels sur des astuces comme ça que j'ai découvert moi. Éventuellement faire un tutoriel comme ça, oui. Mais après sur ce qui est le travail quotidien des maquettes, je ne pense pas faire de tutoriel. Je verrai au fur et à mesure. Si jamais je dois en faire un, j'en ferai un. Mais bon, au niveau des tutoriels, Closter, il est parfait à ce niveau-là. Il est très pédagogue, il explique énormément bien. Donc on va pas essayer de faire des doublons parce que ça sert à rien. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout ce que je devais vous dire au jour d'aujourd'hui pour ce vlog du mois de mars. Donc encore une fois, mille excuses pour les messages oubliés, si j'en oublie. Mille merci aux tipeurs.
Mille merci à tous ceux qui regardaient mes vidéos pour la pub YouTube. Alors, petit truc que j'ai oublié, vous avez peut-être vu qu'il y a un petit peu plus de pub sur mes vidéos. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, en fin de compte, je ne m'étais jamais penché dessus. Franchement, je n'avais jamais regardé, je mettais la vidéo en ligne, je savais que ma chaîne était éligible à la publicité, et puis je laissais faire comme ça. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait rajouter des pubs manuellement pour augmenter un petit peu les gains. En fin de compte, si on fait de la pub, c'est pour augmenter un petit peu les gains. Donc volontairement, je rajoute alors une pub en début de vidéo et puis deux pubs dans la vidéo. Alors on m'a fait remonter en commentaire, à juste titre d'ailleurs, que sur une vidéo d'un quart d'heure, deux pubs à l'intérieur, c'était un peut-être un peu trop. Je pense que cette personne, je ne me rappelle plus qui, je crois que c'est Pierre qui m'a dit ça, il me semble bien. Enfin, tu te reconnaîtras, j'ai oublié ton prénom, mais je crois que c'est Pierre. À juste titre, ça fait beaucoup pour un quart d'heure de pub. Donc, voilà. Les vidéos de moins d'un quart d'heure, je mettrai une pub au milieu, et tout ce qui sera au-dessus de un quart d'heure, je mettrai deux pubs. Alors, j'espère que ça ne vous pose pas de problème de visionner avec les pubs. Bon, ça prend 15 secondes la publicité, donc j'espère que ça ne vous pose pas de soucis. Mais voilà, ça me permet à moi d'avoir un petit peu plus de rémunération, justement, pour tout simplement, pas pour m'enrichir moi personnellement, mais pour pouvoir acheter du matériel, faire des tests, pour pouvoir acheter des belles maquettes, vous les proposer sur la chaîne. Voilà, le but il est là, hein. Donc, mille excuses si jamais les publicités vous dérangent un petit peu, mais j'en ai besoin, hein, pour faire vivre la chaîne. Voilà les amis, donc ben, mille merci à tous, hein. Voilà, c'est fortement sympathique de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir partager ma passion des maquettes avec vous. Voilà, donc le but de la chaîne, c'était vraiment le partage. Donc merci mille fois d'être passé par là, les amis. Vous avez le lien pour aller typer en bas à gauche de l'écran, vous aurez ça. En bas à droite pour vous abonner. Et puis, comme d'habitude, à chaque fois que je vous parle devant la caméra comme ça, je vous le dis et je le pense haut et fort, c'est vous les meilleurs. Et grâce à vous, la chaîne peut exister, sinon il n'y aurait pas de chaîne The Web Plastic Model sans vous. Voilà, les amis. C'est fini pour ce vlog du mois de mars. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt pour la suite de tous ces montages. Bye bye les amis, à plus, ciao!